Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour une vidéo nutrition. Vidéo que vous avez été très nombreux à me demander. Aujourd'hui je vais vous présenter une journée type de mon alimentation en prise de masse. Donc pour éviter que ce soit un banquet sur la table, cette vidéo sera scindée en trois parties. Durant la première, je vais vous présenter mon petit déjeuner et mon post-entraînement. Lors de la deuxième, on verra mon déjeuner et mon encas d'après-midi. Et on terminera par mon dîner et la collation avant d'aller se coucher. Allez, on commence de suite avec le petit déjeuner. Donc qu'est-ce que je prends au petit déjeuner lorsque je suis en prise de masse, c'est-à-dire actuellement? Et bien, je prends un bol, c'est le grand classique, je prends un bol de flocons d'avoine. Je prends 160 g de flocons d'avoine, toujours avec de l'eau. Alors, je ne prends pas de produits laitiers, j'ai oublié de vous dire pourquoi, vous avez été nombreux à me dire, à me le rappeler. Je ne prends pas de produits laitiers pour deux raisons. La première, c'est que ça me fait choper des boutons. Donc j'ai une peau qui réagit très mal aux produits laitiers. Et deuxièmement, ça m'épaissit la peau, ça me fait prendre de la flotte. Et j'aime quand même, voilà, j'aime quand même avoir la peau assez lisse. Donc puis foncièrement, je ne suis pas fan des produits laitiers. Donc voilà pourquoi je ne prends pas de produits laitiers. Donc 160 g de flocons d'avoine avec de l'eau chaude. J'y mets une pointe de cannelle et comme vous pouvez voir, je mélange directement ma source de lipides à l'intérieur pour donner un peu de goût. Là en l'occurrence, j'ai mis 40 g de noisettes et des fruits rouges. Là, ce sont des framboises et des mûres. Alors, je pèse tout, je pèse absolument tout, sauf les fruits rouges. J'en prends une poignée et je les mets à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, ça fait un petit déjeuner particulièrement sympa. Ma source de protéines au petit déjeuner, bon là, je ne les ai pas cuits, mais je prends 6 blancs d'œufs nature le matin avec mon bol de flocons d'avoine. Petit déjeuner terminé, je ne prends pas de repas après entraînement, puisque généralement je m'entraîne 1h30, 2h après mon petit déjeuner, ce qui est bien puisque il faut éviter quand même d'aller à la salle en pleine digestion. Donc, une fois ma séance terminée, qu'est-ce que je prends en post-entraînement? Eh ben, je prends mon fruit sec préféré en prise de masse, en l'occurrence les figues sèches. Là j'en prends, bon ça pèse très vite, enfin ça pèse lourd très vite les figues sèches. Là il y a 80 grammes, donc je prends 80 grammes de figues sèches avec un shaker de entre 40 et 50 grammes de whey protéine, de poudre je parle. Donc voilà, post-entraînement pris, je vais attendre 1h30, ouais, une bonne heure et demie, 2h avant manger. Je vais débarrasser la table et on se retrouve de suite pour le déjeuner et ma collation d'après-midi. A tout de suite. De retour pour cette deuxième partie, donc on va passer au déjeuner. Donc là, vous avez 300 g de pâte complète, 300 g pesée cuit. Pâte complète que j'ai fait cuire dans un bouillon, histoire de donner un petit peu de goût. Donc vous avez des tonnes de bouillon, vous pouvez en trouver partout. Essayez d'opter pour un bouillon qui n'est pas trop chargé en sodium, mais il y en a qui sont très salés. Personnellement, j'utilise un bouillon olive basilic, ça donne un petit peu de goût, ça colore, bon c'est sympa. Pâte complète que je joins avec des petits pois. Alors là, j'adore l'association légumineuse céréale, aussi bien au niveau gustatif qu'au niveau de la complémentarité alimentaire, c'est assez intéressant. Cette association est d'ailleurs assez utilisé notamment dans la cuisine italienne. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire, à tester, c'est vraiment très sympa. Donc je mets 100 g de petits pois dans mes 300 g pesés cuits, encore une fois, de pâte complète. Source de protéines, vous pouvez le voir, c'est un grand classique, filet de dinde grillé, là en l'occurrence il y en a 180 g. Au-dessus de tout ça, je rajoute une cuillère à soupe d'huile de colza et j'ai mon plat principal pour mon déjeuner. En dessert, histoire de finir sur une petite note de frais, en plus de toutes les propriétés qu'on lui connaît, je prends un demi pamplemousse. Donc voilà, le déjeuner est consommé. Je vais attendre 3 bonnes heures avant d'attaquer mon encas de l'après-midi. Encas qui est constitué, comme je vous l'avais déjà dit, vous en apercevoir, j'adore les oléagineux. L'encas de l'après-midi, c'est le tour des amandes, donc je prendrai 60 g d'amandes. Amandes nature. En hydrate de carbone, je prends une banane de taille moyenne et enfin, je prends mon shaker de 40 g de poudre de whey protéine. L'encas d'après-midi a été consommé, donc je vais attendre 2h30, 3 bonnes heures avant d'attaquer, et on va le voir de suite, le dîner et enfin finir sur la collation avant d'aller se coucher. A tout de suite. De retour pour cette dernière partie, donc
Passons au dîner. Dîner qui sera constitué de quinoa. Là, vous en avez 300 grammes pesées cuits. Alors, pourquoi je vous donne des quantités pesées cuites? Tout simplement parce que ce soit le quinoa, les pâtes ou le riz, par exemple, je les cuisine en grosse quantité. Ce qui fait que je les conserve après et je vais juste aller à peser. Et ça m'évite de cuisiner trop fréquemment. Donc voilà pourquoi je vous donne des quantités pesées cuites. Hein. Personnellement, pour moi, c'est un gain de temps énorme. Donc 300 g de quinoa. Je joins à ces 300 g de quinoa mon légume préféré, vous l'aurez deviné, hein, le brocoli. 200 g de brocoli. En source de protéines, le soir, j'aime le poisson. Donc là, il y a 200 g de cabillaud. Et histoire d'agrémenter, de donner un petit peu de goût, mais de joindre l'utile à l'agréable, hein, c'est-à-dire de quand même rentrer dans ces macros, je me fais une petite sauce. Une petite sauce maison qui est très sympa, je vous invite à la tester. Hein. Il s'agit de curry et de lait de coco. Alors curry, lait de coco avec du poisson, c'est divin. Je vous invite vraiment à essayer si vous ne l'avez jamais fait. Hein. En plus, le lait de coco, il y a des bonnes graisses dedans. Et voilà, ça donne un petit peu de goût, un petit peu de peps, comme on dirait dans Top Chef. Donc voilà, hein, vraiment un dîner très sympa. Et puis bah voilà, il fait le taf. Hein. Au niveau des macros, il fait le taf. Le dîner a été mangé, je vais attendre 3 bonnes heures juste avant d'aller faire un coucou aux marchands de sable. Dernière collation de la journée. Encore une fois, hein, les oléagineux sont de la fête. Cette fois-ci, le soir, c'est le tour des noix. Donc je prends 50 g de noix avec la sempiternelle whey protein. Un shaker de 40 g, encore une fois, hein, 40 g de poudre. Et voilà qui achève ma journée type d'alimentation en prise de masse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous inspirer à tester certaines combinaisons d'aliments, certains plats. Tester vraiment, il y a quelques trucs qui sont vraiment très sympas à tester. Je vous déconseille d'utiliser stricto sensu la même diète pour vous. Hein. Rappelez-vous, hein, tous ces aliments, toutes ces quantités, ces macros en somme, sont calculés par rapport à mon poids de corps, comprenez pas là, par mon pourcentage de masse musculaire, mais également hein, par rapport à mon rythme d'entraînement, à mon volume d'entraînement. Donc c'est vraiment, voilà, ça m'est vraiment destiné, c'est vraiment calibré pour moi. Donc inspirez-vous des aliments, des associations d'aliments, des menus. Voilà, je vous déconseille quand même de faire un mimétisme complet au niveau des quantités. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir l'effet escompté. Hein. Vous risquez de faire un petit peu de gras. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, les amis. Hein. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr hein, si vous voulez bénéficier. Ben c'est un petit peu dans le thème d'un coaching distance, que ce soit en programme alimentaire ou en programme d'entraînement personnalisé, ou pour faire l'acquisition d'un t-shirt No Flex, No Gain. Je tiens également à remercier mon partenaire Protein Center pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur la boutique de compléments en ligne, hein, des prix tout bonnement. Bref, encore une fois, hein, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Et vous pouvez bénéficier également de moins 10% avec le code qui s'affiche dès à présent sur chacune de vos commandes, particulièrement intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de mon vlog training qui sera consacré aux pectoraux. Hein. À l'unanimité, vous avez choisi les pectoraux. En cette occasion, j'ai invité 25 abonnés à assister au tournage de la vidéo, à assister à ma séance. Donc voilà, j'essaierai de tourner quelques petites images après séance où on va discuter un petit peu, on va se faire des photos de pouces. Enfin, bref, passez un très bon moment en votre compagnie. Donc voilà les amis, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut.